la période la plus merveilleuse de l'année. Vous commencez au pôle Nord sans rien dans votre inventaire. Il n'est pas possible de sauvegarder. Vous vous trouvez à l'extérieur d'un village pittoresque, au milieu d'un champ enneigé. Au loin, vous pouvez voir un grand poteau à rayures rouges et blanches. Il y a aussi un panneau. Malgré la neige qui tombe, vous n'avez pas froid du tout. Les sorties sont est vers l'atelier du Père Noël, ouest vers l'usine de gâteaux, sud vers la maison du Père Noël, sud-est vers la forêt de canne à sucre. Je vais à l'atelier du Père Noël. L'atelier du Père Noël déborde généralement d'activités, mais il ne reste qu'un seul ouvrier, un petit elfe assis à une longue table. Il y a de nombreux cadeaux ici, ainsi qu'un bac à charbon. Les sorties sont sortir vers le pôle Nord. Parlez au lutin. Oh, je dois finir tous ces jouets avant la veille de Noël. Je suis si loin derrière. Je n'ai pas mangé depuis des jours, mais je ne peux pas m'arrêter de travailler pour faire une pause biscuit. Lui demander s'il veut de l'aide. J'ai si faim. Prendre un cadeau. L'elfe hurle. Remets ça en place. Examinez le cadeau. Chaque cadeau est soigneusement emballé et décoré avec des rubans, des nœuds et des paillettes. Fouiller le bac à charbon. Le bac à charbon est plein de morceaux de charbon. Prendre un morceau de charbon. Vous mettez un peu de charbon dans votre poche. Allez vers le pôle Nord. Vous vous trouvez à l'extérieur d'un village pittoresque, au milieu d'un champ enneigé. Au loin, vous pouvez voir un grand poteau à rayures rouges et blanches. Il y a aussi un panneau. Malgré la neige qui tombe, vous n'avez pas froid du tout. Partir vers l'usine. C'est dans cette usine que tous les bonhommes en pain d'épices du pôle Nord sont préparés. Tout bonhomme en pain d'épices sans maison à la fin des vacances est amené au champ fourche de Pumpkin Town, où il peut passer sa vie à batifoler dans les champs. Par terre, il y a une caisse renversée de biscuits au pain d'épices. Vous voyez aussi une poche à douille. Les sorties sont sortir vers le pôle Nord. Ramasser la poche à douille. Vous ramassez la poche à douille. Vous avez maintenant une poche à douille dans votre inventaire. Elle est pleine de délicieux glaçages. Prendre un biscuit. Vous avez maintenant une poignée de biscuits dans votre inventaire. Allez au pôle Nord. Vous vous trouvez à l'extérieur d'un village pittoresque, au milieu d'un champ enneigé. Au loin, vous pouvez voir un grand poteau à rayures rouges et blanches. Il y a aussi un panneau. Malgré la neige qui tombe, vous n'avez pas froid du tout. Allez à l'atelier. L'atelier du Père Noël déborde généralement d'activités. Mais il ne reste qu'un seul ouvrier. Un petit elfe assis à une longue table. Il y a de nombreux cadeaux ici, ainsi qu'un bac à charbon. Proposer un biscuit à l'elfe. Il dévore avidement le biscuit. Oh, merci beaucoup! Je me sens tellement mieux! Et vous offre un paquet cadeau. Joyeuse fête! Retournez au pôle Nord. Vous vous trouvez à l'extérieur d'un village pittoresque, au milieu d'un champ enneigé. Au loin, vous pouvez voir un grand poteau à rayures rouges et blanches. Il y a aussi un panneau. Malgré la neige qui tombe, vous n'avez pas froid du tout. Allez dans la maison du Père Noël. Vous êtes devant la maison du Père Noël. Vous entendez pas mal de bruit à l'intérieur. Il y a une grange à l'ouest. Les sorties sont nord jusqu'au pôle Nord, ouest vers la vieille grange du Père Noël. Frappez à la porte. La Mère Noël ouvre la porte et vous souhaite la bienvenue. Elle vous offre une tasse de chocolat chaud et s'assoit près de la cheminée. C'est tellement agréable d'avoir un invité. Vous entendez des cris, des coups et des claquements provenant de quelque part à l'intérieur de la maison. Vous êtes maintenant à l'intérieur de la maison du Père Noël. La Mère Noël est assise ici, près d'un feu douillet, sirotant une tasse de chocolat chaud. Une porte mène à la grange et la porte d'entrée mène à l'extérieur de sa maison. Les sorties sont sortir à l'extérieur de la maison, ouest vers la vieille grange du Père Noël. Allez à Mère Noël. Oh, Nicolas est hors de lui depuis qu'il a perdu son livre. C'est assez important. Il est bouleversé naturellement. Allez dans la grange. Vous êtes dans la vieille grange où le Père Noël garde son traîneau magique. Vous voyez des rennes paître au sud. La maison du Père Noël est à l'est. Les sorties sont sud vers l'enclos des rennes, est vers la maison du Père Noël. Allez vers l'enclos. Cette prairie clôturée est l'endroit où le Père Noël garde ses rennes. Un seau de carottes est suspendu à l'un des poteaux de la clôture. À l'est, vous voyez la forêt de canne à sucre. Les sorties sont nord vers la vieille grange, est vers la forêt de canne à sucre. Prendre le seau à carottes. Je prends le seau entier ou juste des carottes? Si je peux prendre le seau, je prends le seau. Vous prenez le seau à carottes. Vous avez maintenant un seau à carottes contenant des carottes dans votre inventaire. Les rennes vous regardent d'un air triste. Donnez des carottes aux rennes. L'un des rennes s'approche, peut-être Dasher, qui sait. Il mange la carotte et frotte affectueusement votre main. Montez sur le renne. Le renne se cabre et part en courant. Vous tombez à terre. Redonnez une carotte aux rennes. Les rennes restent à distance, méfiants. Partir vers la forêt. Vous êtes dans une forêt de canne à sucre. Il y a un œuf par terre. Les sorties sont nord jusqu'au pôle Nord, sud et est vers le désert de crème glacée, et ouest vers l'enclos. Ramasser l'œuf.
vous ramassez l'œuf. Il s'agit d'un petit œuf de Pâques rose et bleu couvert de givre. Généralement, il y a une surprise à l'intérieur de ce genre d'œuf. Vous pouvez voir de petites traces de lapin dans la neige. Vous avez maintenant un œuf dans votre inventaire. Suivre les traces de lapin ? Vous suivez les traces de lapin quelques mètres, elles disparaissent brusquement. Posez une carotte par terre pour attirer un lapin. Vous posez une carotte par terre et vous cachez dans un buisson. Vous attendez quelques minutes, puis quelques heures, mais il ne se passe rien. Partir dans le désert. Vous êtes dans un désert fait de desserts. Glace vanille, chocolat et fraises pour être exact. C'est assez désert. La mer boule de gomme s'étend au sud et à l'est. Les sorties sont nord et ouest jusqu'à la forêt de canne à sucre, sud et est jusqu'à la mer boule de gomme. Partir à la mer. La mer s'étend devant vous. Il vous faut un navire pour naviguer. Cherchez un navire. Vous regardez autour de vous, mais vous ne voyez aucun navire. Retournez dans le désert. Vous êtes dans un désert fait de desserts. Glace vanille, chocolat et fraises pour être exact. C'est assez désert. La mer boule de gomme s'étend au sud et à l'est. Prendre de la glace. Vous prenez de la glace dans vos mains. Elle coule. Allez dans la forêt. Vous êtes dans une forêt de canne à sucre. Prendre une canne à sucre. Les cannes à sucre sont beaucoup trop grandes pour être prises. Vous attrapez quelques morceaux et les mettez dans votre poche. Vous avez maintenant des morceaux de canne à sucre dans votre inventaire. Partir dans l'enclos. Cette prairie clôturée est l'endroit où le Père Noël gare ses rennes. À l'est, vous voyez la forêt de canne à sucre. Proposez un morceau de sucre, enfin de canne à sucre, aux rennes. Les rennes vous regardent méfiants et vous grognent dessus. S'approcher des rennes. Ils reculent. S'approcher encore des rennes. Ils reculent encore. Courir derrière les rennes. Vous poursuivez les rennes un moment. Mais vous n'en attrapez jamais. Insultez les rennes. L'un des rennes se retourne et vous montre son derrière. Partir vers la grange. Vous êtes dans la vieille grange où le Père Noël gare son traîneau magique. Vous voyez des rennes paître au sud. La maison du Père Noël est à l'est. Fouillez la grange. Il s'agit d'une grange tout à fait normale, avec un traîneau vide au centre. Montez dans le traîneau. Vous montez dans le traîneau magique sans en demander la permission. Le Père Noël n'approuverait probablement pas. Imitez le Père Noël sur le traîneau. Ho ho ho, vous imitez le Père Noël et vous marrez tout seul. Retournez à la maison. La Mère Noël est ici, assise près d'un feu douillet, sirotant une tasse de chocolat chaud. Une porte mène à la grange et la porte d'entrée mène à l'extérieur de la maison. Parlez à Mère Noël. Oh, Nicolas est hors de lui depuis qu'il a perdu son livre. C'est assez important. Il est bouleversé, naturellement. Demandez où est Nicolas. Je ne sais pas. Il cherche son livre. Demandez où je peux trouver un bateau. Un bateau? L'elfe en fabrique. Sortir dehors. Vous êtes devant la maison du Père Noël. Vous entendez pas mal de bruit à l'intérieur. Il y a une grange à l'ouest. Fouillez dehors. Vous êtes devant la maison du Père Noël. Une maison rouge et blanche. Cherchez un livre. Il n'y a aucun livre devant la maison du Père Noël. Allez au pôle Nord. Vous vous trouvez à l'extérieur de la maison... Je peux y aller ? Oui, tu peux y aller. Vous vous trouvez à l'extérieur d'un village pittoresque, au milieu d'un champ enneigé. Au loin, vous pouvez voir un grand poteau à rayures rouges et blanches. Il y a aussi un panneau. Malgré la neige qui tombe, vous n'avez pas froid du tout. Je vais ouvrir mon paquet de cadeaux. C'est un voilier miniature. Exactement ce dont vous avez toujours rêvé. Allez dans la forêt. Vous êtes dans une forêt de canne à sucre. Allez dans le désert. Vous êtes dans un désert fait de desserts. Glace vanille, chocolat et fraises pour être exact. C'est assez désert. La mer boule de gomme s'étend au sud et à l'est. Utilisez le voilier. Vous laissez tomber le bateau joué dans l'eau. Il grandit jusqu'à devenir aussi gros qu'une baleine. Montez sur le bateau. Vous entrez dans le bateau. Il est sur le point de mettre les voiles. Mettre les voiles. Vous partez en mer. Vous naviguez sur une mer de boules de gomme tourbillonnantes. Vous voyez un ours polaire sur une banquise. Un pic déchiqueté s'élève d'une île enveloppée de brouillard à l'est. Les sorties sont est vers l'île Dragée, nord ou ouest vers le désert de crème glacée. Allez sur l'île Dragée. Vous êtes sur la rive de l'île Dragée. Au centre de l'île se trouve une montagne très haute, couverte de neige. Les sorties sont en haut vers la montagne Yeti, ouest jusqu'à la mer boule de gomme. Allez sur la montagne. Vous êtes sur la montagne Yeti. Le Yeti est là, empilant des boules de neige les unes sur les autres. Les sorties sont en bas vers l'île Dragée. Faire coucou au Yeti. Le Yeti ne vous remarque pas.
très occupé à empiler les boules de neige les unes sur les autres. Piquer une boule de neige au Yeti. Le Yeti hurle et vous charge, agitant ses bras. Il vous poursuit jusqu'à votre bateau. Bah, remontez en haut. Vous êtes sur la montagne Yeti. Le Yeti est là, empilant les boules de neige les unes sur les autres. Mangez mon œuf en regardant le Yeti. Vous mangez votre œuf en chocolat. Il a un petit goût de guimauve. Lancez du charbon sur le Yeti. Le Yeti hurle et vous charge, agitant ses bras. Il vous poursuit jusqu'à votre bateau. Montez sur la montagne. Vous êtes sur la montagne Yeti. Le Yeti est là, empilant des boules de neige les unes sur les autres. Examinez les boules de neige. Il y a une grande boule de neige en bas, une moyenne au milieu, et une de la taille d'un ballon de basket au-dessus. Ça vous semble familier. Donnez une carotte au Yeti. Le Yeti prend la carotte et l'ajoute sur la plus haute des boules de neige. Proposez ma poche à douille avec le glaçage au Yeti. Le Yeti vous regarde d'un air interrogateur. Ça peut faire des yeux et des bouches. Le Yeti ne comprend pas votre langage. Faire des yeux et une bouche avec la poche à douille. Yeti rugit joyeusement et fait un gros câlin au bonhomme de neige. Puis il vous attrape et vous serre très fort contre sa fourrure. Il sent comme un gros chien mouillé. Yeti salue le bonhomme de neige et vous attrape par la main. Vous avez maintenant un meilleur ami dans votre inventaire. Ok, cherchez un livre. Vous ne voyez aucun livre dans la montagne. Descendre sur l'île. Vous êtes sur la rive de l'île Dragée. Au centre de l'île se trouve une montagne très haute couverte de neige. Cherchez un livre. Vous ne trouvez aucun livre sur l'île Dragée. Montez sur le bateau. Vous montez dans votre bateau. Yeti vous suit. Je cherche un livre. Vous ne trouvez aucun livre sur votre bateau. Va prendre la mer. Vous naviguez sur une mer de boules de gomme tourbillonnantes. Vous voyez un ours polaire sur une banquise. Un pic déchiqueté s'élève d'une île enveloppée de brouillard, à l'est. Débarquez sur le désert. Vous êtes dans un désert fait de desserts. Glace vanille, chocolat et fraises pour être exact. C'est assez désert. La mer boule de gomme s'étend au sud et à l'est. Cherchez un livre. Vous ne voyez aucun livre dans le désert. Mais la banquise sur la mer boule de gomme vous semble assez étrange. Retournez dans la mer. Vous naviguez sur une mer de boules de gomme tourbillonnante. Vous voyez un ours polaire sur une banquise. Un pic déchiqueté s'élève d'une île enveloppée de brouillard à l'est. Allez vers l'ours. Vous réalisez que la banquise est en fait un gros livre rouge. L'ours se tient dessus d'un air menaçant. Montrez le Yeti à l'ours. L'ours polaire rugit et se met debout sur ses pattes arrière, grognant et griffant l'air. Le Yeti rugit encore plus fort, faisant frémir l'ours polaire qui plonge dans la mer et disparaît. Prendre le livre. Vous prenez le livre. Vous avez maintenant un gros livre rouge dans votre inventaire. Allez dans le désert. Vous êtes dans un désert fait de desserts. Glace vanille, chocolat et fraises pour être exact. C'est assez désert. La mer boule de gomme s'étend au sud et à l'est. Allez dans la forêt. Vous êtes dans une forêt de canne à sucre. Allez dans l'enclos. Cette prairie clôturée est l'endroit où le Père Noël garde ses rênes. À l'est, vous voyez la forêt de canne à sucre. Demandez au Yeti d'effrayer les rennes. Le Yeti va vers les rennes, s'approche et fait un gros câlin à Dasher. M'approcher des rennes. Les rennes reculent d'un air méfiant. Allez dans la grange. Vous êtes dans la vieille grange où le Père Noël garde son traîneau magique. Vous voyez des rennes paître au sud. La maison du Père Noël est à l'est. Allez dans la maison du Père Noël. La Mère Noël est ici, assise près d'un feu douillet, sirotant une tasse de chocolat chaud. Une porte mène à la grange, et la porte d'entrée mène à l'extérieur de la maison. Donnez le livre à Mère Noël. Casse-noisette ! Vous avez retrouvé le livre ! Le Père Noël passe la tête dans la pièce. Qu'est-ce que j'entends ? Oh 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 ! Mon livre ! Le Père Noël prend le livre des mains de sa femme, écrit quelque chose à l'intérieur, puis vous le montre. Lire. À côté de votre nom, il est écrit le mot... méchant. Demandez au Père Noël pourquoi je suis méchant. Eh bien, vous avez fait beaucoup de bêtises. Allez, il est temps de vous ramener chez vous. Où voulez-vous aller? Mon traîneau peut aller n'importe où. Je veux rentrer chez moi, Papy Noël. Papy Noël? Bah oui, je suis méchant. Pas de problème, nous y serons en un clin d'œil. Maintenant, donnez-moi juste un moment pour atteler les rennes. Il attrape un biscuit et se dirige vers la grange. Yeti fait un gros câlin à la Mère Noël qui lui offre une tasse de chocolat chaud.
Vous demandez une tasse de chocolat chaud ? La Mère Noël vous offre une tasse de chocolat chaud. Et vous demande d'aller rejoindre le Père Noël, dans la grange. Rejoindre le Père Noël dans la grange. Vous êtes dans la vieille grange où le Père Noël garde son traîneau magique. Vous voyez des rennes paître au sud. La maison du Père Noël est à l'est. Le Père Noël est là, en train de revoir sa checklist de contrôle. Tous à bord ! Montez dans le traîneau. Le Père Noël vous fait un clin d'œil. Tenez bien votre chapeau. Il secoue les rennes en sonnant les cloches du traîneau. Les rennes sautent dans les airs et le traîneau prend son envol. En quelques minutes, vous arrivez à destination. Fin !